Les enfants font peu de formes graves, mais certains sont quand même parfois hospitalisés, donc c'est une mesure de protection. Plus les enfants sont petits, moins ils se contaminent entre eux et moins ils font de formes graves. Néanmoins, ça a paru de bon sens de demander le port du masque de façon systématique pour les enfants dès 6 ans à l'école primaire, de manière à amener la sécurité maximale pour les enfants, quel que soit l'âge, que ce soit de l'école élémentaire, du collège ou du lycée. Pour les enfants, dans le type de masque chirurgical, il y a aujourd'hui plusieurs tailles qui sont sorties. Il y a des masques 6-12 ans, et puis il y a même des masques pour les moins de 6 ans, avec des tailles un tout petit peu plus petites, parce que effectivement, ça permet d'avoir un peu moins le visage de l'enfant qui est couvert. Après 12 ans, on va dire, on utilise des masques de taille adulte, standard. Alors vous avez différents types de masques, hein. Vous avez les masques en tissu, grand public. Vous avez le masque chirurgical classique, mais c'est un masque qu'on essaye de réserver plutôt pour les personnels médicaux. Tous les enfants peuvent porter un masque pour se protéger. Il n'y a pas été montré chez un enfant qui n'a pas de pathologie particulière, qui n'a pas de maladie chronique. Il n'a pas été montré de problème à respirer avec un masque toute la journée. Alors, il peut y avoir des exceptions pour certaines maladies, pour des enfants très particuliers. Par exemple, des enfants qui auraient une maladie chronique type myopathie, qui serait avec une grande insuffisance respiratoire, et le fait de mettre un masque en plus les gênerait beaucoup pour respirer. Néanmoins, les maladies neuromusculaires sont quand même des maladies qui amènent des formes graves ensuite d'insuffisance respiratoire si jamais ils sont atteints du Covid, et il faut quand même les protéger dans la majorité des cas, sauf exception. Donc encore une fois, l'exception doit être véritablement quelque chose qui est discuté entre le malade qui a une maladie chronique et le médecin qui les suit. C'est véritablement quelque chose d'exceptionnel.